à tous, bonjour à toutes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je voudrais bien remercier à l'entreprise Advitam Pierre à Mélin de m'avoir accueilli comme ça. Ils m'ont franchement bien accueilli. C'est parti pour la vidéo. Une de cette série, c'est Advitam Pierre. Filmer le petit camion de Nicolas, entreprise Advitam Pierre à Melun. C'est un Ford, mais Nicolas va répondre aux questions techniques. C'est une propulsion, ça veut dire que ça pousse par l'arrière plutôt que de tracter par l'avant. Et pour nous, c'était super important parce que tout le poids on met à l'arrière. Quand il y a la remorque en plus, le fait d'avoir le double essieu et la propulsion, ça permet beaucoup plus de stabilité. Et alors, moi j'ai encore une question, et tu peux tirer combien? Tu l'as dit 3,5 tonnes. 3 tonnes 5, ok, d'accord. Okay. Donc il peut être chargé à 3 tonnes 5, d'accord. Masse du véhicule comprise. La batterie, bah, elle doit être devant, j'imagine. Ouais. Elle est là, ouais. Elle est ici. Ça a empiré le moteur. Mais j'ai jamais dû charger la batterie ou quoi que ce soit. Essai du Ford Transit. Tu le trouves comment, Nicolas? Ah, mais c'est une camionnette qui est très confortable. Mais en même temps, voilà, ça reste une camionnette, c'est même. Nous on l'appelle le camion dans l'entreprise. Ouais. C'est un petit camion. Hein. Ouais. C'est, à la base, c'est un permis C pour une camionnette comme ça. Et c'est détaré en fait, on dit. C'est, du coup, il est passé en permis B, et donc en 3 tonnes 5 et pas en 7 tonnes. Quoi. Mais ça, on donnera le détail technique des chevaux. Ouais, c'est vrai qu'en fait c'est assez confortable. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Martin? Oui, et pas d'un coup quand tu sors les business. Ouais, moi je trouve aussi c'est pas mal. Ouais, elle est souple. Ça se conduit presque comme une voiture. Ouais, ouais. Après, l'embrayage est assez dur. Ouais. C'est pas évident de le conduire avec des baskets, quoi. Il faut des bottines, okay. Des semelles bien rigides, puisqu'il est, il est très dur, il faut le pousser très loin. Mais ça permet aussi beaucoup de souplesse dans le passage des vitesses, quoi. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a une première assez courte, en fait. Très courte. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, Martin, pour ces petits camions, il faut une première assez courte. Oui, moi je trouve qu'on est très bien installé. Oui, tu es bien installé? Oui. Alors on va vous montrer Martin qui est installé. Parce que là. Voilà. Il a l'air bien installé dans un camion de chantier. C'est le premier camion de chantier que tu filmes? Ah ben voilà, super. C'est ça la fin de cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite de la série.